Dans la mode de poser pour un mannequin, où elle s'expose, ça veut dire qu'elle essaye de présenter au mieux le vêtement qu'elle a sur elle. Et ça se justifie quand le vêtement est réellement une création. C'est-à-dire qu'il faut témoigner d'un travail d'un styliste. Mais la majorité des vêtements, ce n'est pas extraordinaire. La femme s'identifie plus facilement à une fille en mouvement qu'un mannequin qui a déjà un physique un peu exceptionnel. Par contre, dans le mouvement, ça ne se voit plus qu'elle a un physique exceptionnel. Alors, la femme qui était intéressée par un vêtement pouvait s'imaginer, si je monte comme ça dans la voiture, j'ai cette allure. Alors, du moment, j'ai repris cette idée qu'au lieu qu'elle s'expose, que moi je choisis un des mouvements et je l'ai mis en mouvement. Mais il y avait un handicap parce que avant que les appareils photographiques avaient un moteur, on ne pouvait faire qu'une image la seconde. Alors, j'ai donc acheté un appareil Paillard 16 mm. Il y avait une très bonne pellicule là-dedans. Et en une seconde, j'avais 24 images. Donc, vous voyez, si je faisais traverser la rue à une fille, si je faisais 10 secondes, j'avais 240 images pour choisir un mouvement qui me plaisait à moi. J'avais 23 ans, la première fois que j'ai été mis devant un vêtement de Dior, la séance était surveillée par une assistante de Dior. C'est-à-dire qu'ils attendaient strictement l'information. Se prenaient un peu pour des sculpteurs, hein, donc faisaient quasiment une photo de sculpture. Mais avec l'arrivée du prêt-à-porter et arrivée avec les magazines comme le journal Elle, évidemment, on devait faire des images pour tout le monde et n'est plus pour Christian Dior. C'était stimulant pour le photographe parce qu'il lui était permis de faire une image. Et à partir de là, si d'abord le couturier était la star, c'est le photographe qui devenait la star. Et dans le temps aujourd'hui, le mannequin a dépassé le photographe, parce qu'ils ont réussi à créer, à attacher une personne à une marque, et donc l'image de marque que le mannequin a donnée à quelqu'un, comme Kate Moss par exemple à Yves Klein, ça fait que le photographe est effacé, c'est-à-dire qu'il devient témoin d'une personne qui, elle, est représentative pour lui. Alors, vous voyez, est-ce que la photo de mode a progressé? Non, mais elle a changé.